Nous voulons dire merci de ce que vous choisissez de garder un petit conseil. Dans la vidéo, ça, on a parlé d'un sujet qui est vraiment important. On a parlé de TPS, ça qui est really Temporary Protected Status. Nous connaissons que les pays États-Unis ont accordé privilège ça à tout Haïtien qui vivent sous terre ça durant le tremblement de terre qui était passé en Haïti le 12 janvier 2010. Là. Pour bien dire, ce n'est pas de sujet ça que nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons au contraire continué avec la série que nous avons fait sous 4 années d'université. Après que nous avons fini de parler avec quelques Haïtiens qui sont dans la zone côté que nous étions, nous jugeons qu'il est important pour nous capables de faire quelques petits éclaircissements sous les affaires TPSA et élèves qui étaient à Remè konnen est-ce qu'il est capable d'aller dans l'université avec TPS là et gien plein ou te poser tout est-ce que si vous qualifié pour aller dans l'université est-ce qu'il est capable de recevoir federal aid. Eh bien nous jwenn après nous te fin contacter et quelques monde qui responsable pour répondre question ça yo. Nous t'ai parlé avec élève ça yo, il était vraiment satisfait avec réponse que nous t'ai porté pour yo. Nous souhaitons que vous va bénéficier de réponse ça yo tout. Et restez branchés, dans un petit moment nous pourra discuter plus sous affaire TPSA et admission dans collège ou soit université. Restez branchés, n'ap tounen. Wap gade yon ti konsey. Wap gade yon ti konsey. Wap gade yon ti konsey. Comme nous déjà annoncé déjà, n'a parlé de TPS et admission dans l'université. Et la raison qui fait que nous avons parlé de ce sujet ça, c'est parce que nous connaissons un pile haïtien qui qualifié pour TPS là, qui jeune, est un adulte, t'a aimé continuer avec étudio dans pays ici États-Unis. Pour bien dire, nous pas parlé de ce sujet ça aujourd'hui. Mais ça t'est venu attention nous dès que t'es gagné quelqu'un haïtien qui na high school et puis qui t'a remis continuer avec études universitaires t'es posé nous des questions nous t'es trouvé qui vraiment important yo t'es intéressé qu'on est-ce que yo capable aller dans université yo t'es intéressé qu'on est-ce que yo capable recevoir federal aid yo t'es intéressé et qu'on est-ce que l'école là on soit est à côté l'école là hein, est-ce qu'elle est capable offrir des bourses d'études pour bien dire là que nous avons une petite chance premier côté que nous avons relé c'est immigration là que on parlait de relé immigration tout le monde dit immigration eh bien immigration n'importe monde capable relé pour demander information générale. Ou pas carré l'immigration pour poser question sur yon moun ou soit yon cas spécifique. Sans moun ça, pas ba ou autorisation pour faire ça. Lè que moi te parlé avec agent, il était vraiment vraiment sage pour capable répondre avec question générale ça yo. Nous te expliqué qui genre de information nous besoin. Et lui même était tout de suite répond non et dit nous que immigration pas gain pour rien à ouais avec on élève qui allait l'école. Nous avons une chance de relayer le numéro que spécialiste immigration a été bon. Nous avons parlé avec un spécialiste dans le bureau FAFSA. C'est le monde qui est responsable pour déterminer est-ce que ou même si on est capable de recevoir federal aid. Ça que spécialiste a été dit moi, il a dit moi que normalement pour yon moun capable recevoir federal aid faut que ou même c'est yon moun qui yon citoyen américain ou soit aussi yon résident ou soit aussi ça yon eligible non citizen
Pour ça que vous êtes eligible non-citizen, il y a un groupe de monde nous connaît qui est qualifié pour titre ça. C'est haïtien ou soit n'importe qui qui applique et pour résidence ici et puis que cela approuvé. Pendant que vous obtenez 4 résidences, eh bien, vous êtes capable d'appliquer et puis recevoir federal aid. Et là que moi t'ai fini conversation avec dame dans FAFSA, elle était dit moi tout d'abord toute l'école mandé pour yon élève qui intéressé et rempli yon FAFSA. Et FAFSA pour bien dire pour remplir li, ou pas besoin accepter dans l'école. Il suffit que ou gagne quelque choix, gagne quelque l'école qui intéressé ou. Et puis là que à la fin dans l'application ou mentionner exactement qui l'école qui intéressé ou. Alors l'école là pas toucher application tout autant que pour encore recevoir une application et puis yo admet tout dans l'école ça. Qui ça que nous ca conclu dans vidéo ça. Et si que ou même c'est un haïtien qui gagne un TPS dans mêlé et puis ou intéressé à aller dans l'université, yon nan bagay que ou pral besoin faire, soit premier bagay que ou a besoin faire, ou a besoin rele université a, ou a mande pou ou capable parler avec yon personnel qui localisé dans bureau admission a, ou a prend yon rendez-vous pour ou capable chita et puis pour ou capable discuter et en profondeur intérêt ou dans l'école. Pour ça faire FAFSA même et pour ou toujours besoin remplir les et pour bien dire ou comme déjà annoncé ou pas besoin accepter dans l'école pour capable remplir un FAFSA. Surtout dès que nous connaît deadline yo qu'on vraiment arriver vite sous élève yo. Annon dit que yon l'école accepté ou. Si que ou t'es déjà et rempli un FAFSA et puis ou te voye le bas l'école là et ou pas besoin à presser et faire ça encore. Normalement les que ou a fait le FAFSA à la fin forme non yo mande ou quelle école que ou ta remen choisi pour yo capable voye report là soit décision hein bye. Ça que ou a besoin faire ou a besoin gagne code l'école là ou cap si que ou pas songe code là ou capable toujours rele l'école là mande yo code là dit que ou intéressé et ou soit et gagne un tab dans FAFSA côté que ou capable choisi entrer des informations de l'école là et puis et computer a générer code là pour ou. Si que yon l'école accepte ou et puis yo offre ou yon bon package scholarship. Ça que vous avez besoin de faire, qu'on y a là, et parfois, soit vous acceptez ou, car il y a plusieurs qui acceptent ou, vous avez besoin de chita, et puis analyser qui est ce qui est offrir ou plus avantage. Nous connaissons que si que vous avez un TPS là, pendant un pays longtemps, vous avez capable un fonds qui est disponible pour vous capable payer l'école. Eh bien, ou a besoin chita et pensez bien avec avantage soit bénéfice qui gagne si que ou prend décision pour capable aller dans telle école. Dans dernière émission non, ou soit dans dernière vidéo non, nous t'ai parlé de une série de points qui vraiment important surtout les élèves a choisi yon université. Ou capable toujours référer à vidéo ça si que ou ta gagne yon doute. Si que ou même c'est un monde qui gagne plus information sur TPS et admission dans université, nous invite ou pour capable partager opinion ou dans forum ça. Li vraiment important là que yon nan nou aide l'autre. Nous nou yon terre ou soit yon pays étranger et côté que chaque petit groupe nation a pas supporter et groupe parler. Et bien on t'a remen que haïtien vienne vraiment impliqué dans affaires sociales qui affecter la ville et dans pays ici États-Unis. Si que
ou soit un juge ou soit un avocat immigration, nous connaissons que vous avez un pile bon information et pour communauté. Nous invitons vous capable écrire et opinion sur forum ça. Ça que vous faites, l'a bénéficié pas seulement ou même. Nous connaissons que l'a bénéficié tout le monde qui va avoir une chance à garder la vidéo, ça parce que nous connaissons. Et en pile famille, connaissons un monde ou soyons un ami qui gagne un TPS et qui t'a remis à aller poursuivre un degré dans le pays site. Et nous connaissons que poursuivre ou soit décrocher un degré dans le pays États-Unis, c'est un bagage qui est vraiment important. C'est un, pour bien dire, c'est un rêve. Et tout le monde dans le monde entier gagne. Et nous connaissons que Haïtien remet apprendre. Nous connaissons que Haïtien remet l'école. Et nous connaissons que parents Haïtiens ont toujours taremé pour petit yo capable devenir un homme ou soit une femme qui important dans la société. C'est comme ça, on nous yon aide l'autre afin que les gens nous voient, ils pas simplement capable d'identifier nous comme un haïtien, un pays côté qui a un pile problème, ou soit un pays côté qui est chargé avec tête fait mal. La capable ouais nous tant qu'on référence dans communauté nous habiter là. Parce que nous connaît et haïtien et tout partout, il y a haïtien qui juge, il y a haïtien qui CEO, il y a docteur, il y a un pile gros tête dans pays ici. Plus haïtien qui avance pour plus devant, eh bien c'est plus belle livinier et pour nous tous haïtiens. À nous qui là, à nous supporter yon l'autre, à nous avancer pour plus devant. C'est comme ça nous va faire un pile belle et grand bagaille dans pays blanc. La prochaine vidéo que nous pral faire, nous va parler de nous va continuer avec série que n'a fait sur 4 années université. Nous va entrer d'emblée dans première année. Hein. Nous va partager expérience nous avec élèves. Nous va partager avec yo ça yo doit espérer et comment que yo doit comporter yo afin que yo capable passer yon bonne année scolaire. Pas oublier partager opinion avec nous et nous dire merci encore de ce que vous fait choix pour capable garder un petit conseil. À plus tard.